Créature mythologique pouvant renaître de ses cendres, aujourd'hui nous allons parler du phénix. On a tous déjà entendu la légende de ce fabuleux oiseau. En approchant de ses dernières heures, il se laisserait donc consumer dans ses flammes pour renaître dans ses cendres. Mais à votre avis, quelles sont les origines du phénix? Le phénix, décrit comme une sorte de grand aigle au plumage magnifique, il serait une incarnation du dieu Ra, dieu du soleil, en Égypte ancienne. Il serait connu sous le nom de Bennu, oiseau de l'âme et du renouveau. Même si les origines du phénix sont les plus anciennes qui se trouvent en Égypte, on peut aussi retrouver des oiseaux similaires au phénix dans d'autres cultures différentes. Pour les Romains, le thème du feu et renaître de leurs cendres leur fait écho à leur tradition funéraire. Le phénix nous fait aussi penser à l'histoire de la ville de Rome, aussi baptisée la ville éternelle. Selon la légende, il existerait un seul phénix à la fois. Son espérance de vie ne dépasserait pas les 500 ans. Il a aussi comme habitude de créer un nid avec des herbes aromatiques.